Salut à tous, c'est toujours Mr. Freeze. Et donc on était dans le ventre de l'aigle, et elle nous disait de... voilà. Bon, c'est ce qu'on va faire tout de suite. Là vous voyez qu'une espèce d'entrée se débouche. Vous allez voir, c'est vraiment un donjon ultra court. Donc là, ben, il y a quelques trucs que j'ai oublié de faire, que je vais faire tout de suite. Alors, quelques coffres. Voilà. Ça augmente, c'est pas une magie. Merci. Voilà. Vous allez voir, le ventre de lag, c'est vraiment un truc pour s'en sortir très simple. Même si les sirènes elles paniquent complètement en disant. On sortira jamais vivant. C'est tout petit en fait. Enfin, c'est comme le ventre d'un monstre, donc c'est déjà assez grand comme ça. Bah, et là, si on va vers le haut, vous allez voir. Il y a une sirène. Ouais, c'est mon ami Egg. Donc en fait, il est gentil à la base. Il est contrôlé par Yugi, là, il est sur nous l'avait dit. Voilà. Donc là, on peut se régénérer. Et si on part, on repart la sirène, on peut sauvegarder. Voilà. Alors. On va descendre. Ici. Oui, il y a les deux sirènes. Le chemin d'où on vient, et ce chemin là, qui mène vers la sortie. C'est vraiment court. Hein. Et par contre, lui on va lui enlever Jingmoon parce que ça fait 10 gados, donc c'est pas terrible. Voilà, les autres je pense que c'est bon. Bien sûr. Tu crois? Dis, j'ai caché mes nageoires, hein. Mes chaussures, tu vois. Ça fait trois fois qu'on lui explique, mais il a toujours pas compris. Voilà, encore un boss. Décidément, les anciens. Hein. Alors, lui, il va faire des cadeaux divisés par deux, parce qu'il fait. Je crois qu'il fait exclusivement des attaques d'eau. Hein. Je pense que ça devrait pas être trop dur. C'est pour ça que Jigmoon le vaut mieux pas, parce que je crois qu'il est d'élément haut donc. Voilà, on va y aller comme des fous là. D'autres cultures à la ramasse et attaquer 3 heures après le jeu. On n'aurait même pas besoin de se soigner, si ça se trouve. Et je me fais un petit challenge, j'essaie de le vaincre sans me soigner. Ça pourrait gagner. Ouais, voilà, voilà. Il était pas dur, hein. Putain, Ramirez, quand il gagne un combat, on dirait qu'il est en train de s'appuyer dessus. Thank you.
Voilà, et là, donc là, on va en parler au père de Chelsea. Et eux aussi, ils ont besoin du cérébral. Comme Salem. Et là, on obtient un ocarina. Donc, décidément, dans les jeux, hein, les ocarinas servent pas à rien. Donc là, ça contrôle tout seul. Je peux rien faire. Et en fait, grâce à cette ocarina, on pourra contrôler l'aigle à volonté et se déplacer sous l'eau. Pas mal, hein. Donc, un moyen de transport assez original. Après, le train aérien, c'est le monstre marin et on est dans son ventre. Donc, on sort de l'aigle. Pour aller. Ah, Abdol. Voilà, donc bah y a plus de port, on est obligé d'y aller à pied. Alors si on va... Non, alors on veut même pas parler aux gens, sinon c'est un combat. Hein. Quelle que soit la personne à qui on parle. L'auberge, je ne peux rien faire. Ouais, le laboratoire, vous rappelez. Ah, je vous ai dit. Hein. C'est tous des combats. Facile d'ailleurs. Ça sert à rien de me tuer. Ce que je voulais vous montrer. Ah bon? Il me semblait pourtant que c'était pas là. Enfin bon, on va sortir de cette ville parce qu'elle sert à rien. Je voulais juste revoir s'il y avait toujours la pierre lago des reptiles. Je suis tombé d'aller là. Voilà, c'est là. Rappelez, hein, qui s'était fait tuer par le lago des reptiles. Le lago, le rudra des reptiles. Il est toujours là. Enfin, il y a plus que la pierre, hein, il n'y a plus le rudra. Ouais, maintenant c'est devenu une ville fantôme. Juste pour vous montrer ça, ça sert à rien. Il y a des trous partout là, super pour passer. Ça c'est entre les squelettes et les trous quoi. Hop. Enfin bref, c'est perdu de temps. On va sortir d'ici. Sortir de la ville. Non, je sais pas si on peut reprendre le bateau, hein, ça fait quoi. Ah, j'ai jamais vu une connerie pareille là. Ouais, prétexte pour pas qu'on puisse passer. Il en pense quoi? Il essaie de m'attacher, attends. Un coup d'épée, on le défonce ce truc. Donc là, nous voilà au jour 10. On va faire tous les combats parce que ça sert à rien. Perte de temps. Cet endroit là, ben on sera bloqué de toute façon. Alors là, soit on passe direct à gauche, soit on fait le mini donjon. Bon, allez, on va le faire. Il est très court. Alors il y a des ennemis de feu et des ennemis de terre, je crois. Les autres. Ceux qui l'évitent. Enfin, je sais, c'est pas logique qu'il évite, mais c'est des ennemis de terre. Ça devrait être des ennemis d'air, mais. Ils font des attaques de terre. Bon. Je pense que c'est des ennemis de terre. En haut, il y a un prince de garde. La preuve que c'est des ennemis de terre.
Les Statak, ils vous la font au début du jeu, dans le scénario de Salem, vous êtes mort direct. Mais c'est un bon endroit pour XP avec Salem, si vous arrivez à combattre des ennemis. Voilà. Et là, un espèce de mini-boss. Voilà un peu un néo-nazi là. Pas de succès. Il y a eu 400 avec l'épée de son. Parce qu'elle fait des dégâts d'eau donc. Il fait des dégâts de merde. Il est à chier. Devant, on va vite l'exploser en enfer. Même pas besoin de me soigner, je suis sûr. Voilà. On va quand même se soigner un peu. Enfin, un petit peu complètement. Alors, ça c'est pour laisser les reptiles. Maintenant, on peut aller là. Pour ça, un donjon qui sert un petit peu à rien, c'est vrai, qui est optionnel, hein, je l'ai dit. Et voilà, je vous l'ai dit, c'était rapide. Et encore, c'est long à cause des combats qu'il faut fuir là. Mais c'est vraiment en fait, à la base, c'est pas si facile que ça, c'est juste que. Comment dire? On vient ici un peu tard. Donc là on a un niveau largement supérieur à eux. Putain. Alors en ce qui concerne les requêtes des sorts, bah là c'est toujours une vidéo que j'enregistre encore après les autres, donc je peux pas, je peux toujours pas faire de requêtes parce que j'enregistre encore à la suite sans regarder, sans avoir posté de vidéo là. Voilà, vous avez vu, on peut aller directement. Putain, mais c'est pas possible. Putain. Glam. Ah bah oui, c'est là qu'on a eu les coups. Voilà, on arrive à Eremia, chez Foxy. En fait, les géants, ils sont pas plus grands que ça. Hein. La seule différence, c'est qu'ils sont ouais, un tout petit peu plus grands, là, remarque. Ils sont un peu plus larges, en fait. Voilà, donc la maison est un peu niquée quoi. L'entrée secrète là, c'est pas mal dissimulé. Là vous entendez la musique. Qui fait peur. Là on obtient bon bah le truc de l'équipe de Sarah généralement. Des ennemis nuls à chier. Voilà. Là en fait le but. Une armure qui sert à rien. Le but c'est de se rendre à un endroit où on va voir un message pour Foxy. Alors, si j'arrive à retrouver où c'est. Voilà. Quoi? Vous n'arrivez pas à fuir? Ah bon. Comme dans le jeu, l'avantage. Bon, l'inconvénient c'est qu'il y a trop de combats. Mais l'avantage c'est qu'ils sont faciles à fuir. Voilà. Vous avez compris, on doit aller à Oriab pour voir le père de Foxy. Mais ça sert à rien de rester ici, on part direct. Hein. Putain, c'est chiant que le métro commence à chauffer. Peut-être que si je marche, je suis en moins de combat. T'as su que je dise ça?
Dès que je dis y a pas de combat ou un truc comme ça, claque, y'a un combat quoi. Putain. Voilà. Toujours jour 10. On va regarder. Alors, bah, on va se soigner d'abord. Voilà. Bonne nuit de sommeil. Enfin, pas bonne journée, mais une bonne nuit quand même. Ah, je vais vous dire un truc, c'est pas du spoil, mais presque. Enfin, non, je vous dis pas ce qui va se passer, mais à la fin de ce jour, il va se passer un truc assez inattendu. Balzazer, ouais, si tu veux. Meute, arc foudre, ouais. Ça, j'arrive là, je crois. Oh, non, même pas. Oui. J'ai trouvé ça con comme nom. Ça s'appelle Popourri alors qu'en fait. Ça sent bon. Je vois pas en quoi c'est pourri, mais. Alors, bah, normalement, celle-là devrait se plus servir, ouais. Attendez. Il faut que je mette. Meutrel. Quoi? Les sous de ma gueule là. Je suis pas fou. Putain, ça a moins d'attaque. C'est de l'arnaque. On revend Céline. Ouais, ça, on a plus qu'à le revendre du coup. Bah, qu'est-ce qu'on donne aussi. Un petit foot, un petit feu. Ah, mais ça sert à rien, ça voudra pas les acheter, je crois. Anti-vent. Bien, tout ça. Voilà. Donc on sort d'ici et on va rejoindre le docteur Mjolnir. Alors il me semble qu'il est par là dans une deuxième maison. Non. Docteur. Non. Bon bah je sais pas, il me semblait qu'il était dans le nord. Il est où tout le temps? Ouais, c'est ta mère, on s'en fout. C'est regrettable, mais on s'en tape tout près. Ok, c'est bien horrible pourtant. Pourquoi je vais par là moi. Ben ouais, vas-y. Putain, je comprends rien. Hein. C'est certain que c'était par là. Oh, bah oui, c'est là. Du coup, j'en suis quasiment sûr. Ah voilà. Volé perdu, non? Pourquoi je disais docteur Mouni? Je racontais un peu ce que. Mouni, c'est celui qui est mort. Hein. En avoir avec le père de Foxy. Voilà. S'en fout de ça. Donc là, ben, il me semble qu'il faut retourner à F-Dog justement. Parce qu'on va faire directement. Non.
là. Et on retourne à Avdol. Il n'y a plus de port à Avdol, hein, de toute façon on a payé la pied. Ah bah écoutez, je vous retrouve à Avdol directement à la prochaine vidéo. Ouais, on va faire ça. Donc là on a encore avancé. Hop, on a dépassé les deux autres. Donc je pense qu'une fois que j'aurai terminé le jour 10, je vais retourner avec Salem. Parce que Risa, je vous l'ai dit, c'est un rôle plus court, donc je vais moins avancer avec elle. Allez, à la prochaine.